On va parler d'une légende, la légende Mbappé. On a voulu revenir sur le phénomène et ce champion qui est devenu un modèle bien au-delà du sport et des frontières nationales. Kylian Mbappé est de retour cette semaine dans sa ville de Bondy. Et pour en parler, nos deux invités, la maire de Bondy, Sylvine Thomassin, et The Voice, la voix du foot sur RMC, Jean Rességuier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous, Madame le maire. Moment génial dans votre ville mercredi. Non mais c'est vrai, c'est un moment important dans la vie d'une ville, voir tout le monde réuni. C'était magique. Ouais. Je ne sais pas si j'aurai encore, j'espère d'ailleurs, avoir d'autres occasions dans ma vie de maire de sentir toute sa ville vibrer, quoi, à l'unisson. C'était des moments, exceptionnels. Et où on est véritablement ensemble. Jean, on a vu tous les champions du monde ou presque revenir dans leur ville natale ou les villes où ils ont joué tout petit. Mais là, on avait l'impression que c'était plus dingue, plus fort qu'ailleurs à Bondy. Bah, de toute façon, il se passe quelque chose autour de Kylian Mbappé. On a vu quand il est revenu après le titre de champion de France avec Monaco, dans un premier temps, puis ensuite... Quand il y a eu cette inauguration du City Stade, il se passait toujours quelque chose. Et là, ça a été vraiment énorme. C'est juste grandissime de voir un gamin de 19 ans rassembler autant de monde autour de lui. Là, qui plus est, chez lui, il rassemble en France, en Europe. Et dans le monde, il commence à susciter la curiosité. Donc c'est vrai que c'est un phénomène. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et justement, on va essayer de comprendre le phénomène et ce qu'il apporte justement à votre ville dans un instant. Mais mercredi, il y avait donc cette fête en son honneur. Et nos reporters Camille Ballan et Stéphane Chatour étaient là. Vous allez voir l'ambiance à Bondy. Mbappé, c'est le grand jour. Pour nous, c'est un modèle. On le voit un peu comme un héros. Et qu'ils reviennent à Bondy, ça nous fait dire, nous, dans notre tête, qu'on doit croire en nos rêves et de continuer à rêver pour essayer d'arriver, nous aussi, au sommet. Cette ville de Bondy représente quoi dans votre réussite ? Ouais, elle représente beaucoup de choses. C'est la ville où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Sur 19 ans, j'en ai passé 14. Donc c'est un peu toute l'histoire de ma vie qui a défilé. J'ai des souvenirs, un nombre incalculable de souvenirs ici. Donc c'est vraiment... Bah, c'est la ville qui m'a permis de commencer mon rêve, en fait. Vous avez des étoiles dans les yeux à revoir ces images plusieurs jours après. Ouais. Les étoiles, on les a déjà eues le 15 juillet parce qu'on a retransmis sur cette même pelouse Léo Lagrange, là où il a appris à jouer au foot, la finale de la Coupe du Monde avec 2500 Bondinois qui sont arrivés en quelques heures, prévenus comme ça de façon un peu spontanée. Et ça a été magnifique. Il était gamin que vous connaissiez quand il était... Bien sûr, oui, je l'ai connu. Je suis aussi amie avec ses parents. Donc c'est une famille qui a marqué la ville. Son père était donc éducateur sportif au stade Léo Lagrange de l'ASB Football. C'était un encadrant jusqu'en juin 2017. Il nous a quitté. Il y a vraiment, c'était hier. Sa maman est connue, grand mouvement associatif. Elle a été handballeuse professionnelle quand même. Hein. Elle a été animatrice pour la ville. Enfin, ce sont des gens très structurants en fait. Et cette éducation, on a le sentiment que c'est aussi ce qui fait de lui ce type bien. Ce gamin bien, non mais c'est vrai, c'est le bon qu'on a découvert. Bon, on verra pour le gendre idéal un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, on a souvent l'habitude de dire, les footeux, c'est un peu creux quand ça parle. Là, c'est sujet, verbe, complément, et ça va un peu plus loin. Ouais. On le sent très à l'aise déjà devant les micros. Moi, je raconte une anecdote où il est à sa troisième sélection avec l'équipe de France. C'est une défaite en Suède qui est lourde à ce moment-là de conséquences parce qu'elle remet un peu en cause la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Il a remplacé Griezmann. Il n'a que 18 ans et demi. Ouais. Il débarque là, c'est le premier en zone d'interview. C'est le premier à parler, à s'exprimer. On dit parfois pour les footballeurs, il y a des droits et des devoirs. Lui, le devoir, il l'accomplit sur le terrain, mais il l'accomplit aussi en dehors du terrain. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le magazine Time en fait un leader. Et ce n'est pas anecdotique l'expression de leader, Émilie. Il est en train de devenir une idole, l'idole de tous les Français. On peut même se demander si ce n'est pas lui finalement la star de la Coupe du Monde. Oui, parce qu'il a déjà marqué les esprits en marquant des buts, en mettant un doublé contre l'Argentine, qui est le match déclic de cette Coupe du Monde de l'équipe de France, en huitième de finale, au moment où ils ne sont pas bien, avant la fabuleuse frappe de Benjamin Pavard. Mais il se passe quelque chose avec lui et autour de lui, et chaque fois... Mais lui, en plus, on vient de le découvrir. La plupart des Français le découvrent, même s'il était déjà un joueur important en Ligue 1. Ça fait quelques mois, finalement, que l'ensemble des Français ont découvert Kylian. C'est pour ça qu'il... Il est un prétendant sérieux de plus en plus, de semaine en semaine, de mois en mois, au Ballon d'Or.
Moi, j'avais du mal à imaginer ça. Ouais, on va croiser les doigts. Allez, déjà qu'il y a un Français, parce que ça serait bien, vu que The Best, lui, le concurrent de la FIFA, a oublié de mettre un Français à l'honneur, puisque c'est Modric. Je trouve que ça serait bien. Mais ça dépend, passe même les frontières. Il n'y a pas que les Français. Je voudrais juste vous faire écouter une chanson, je ne sais pas si vous l'avez entendue, ah oui, d'un fan bulgare. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, wesh, wesh, Kylian Mbappé, roi champion, Kylian Mbappé, Néo-Ville, Kato Kylian Mbappé, Dojem Vinagui, Kylian Mbappé, Fresno, Tom, Kato Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, wesh. On n'a pas. Ça, les paroles sont assez simples. J'ai pas compris toutes les paroles. C'est facile à retenir au moins. Kylian Mbappé, ça parle de lui, c'est sûr, et ça a l'air honorifique. Et il y a aussi le trio de Seine-Saint-Denis. Elidji, exactement. Ouais. Bah écoutez. Liberté, égalité, Mbappé. Oui. Liberté, on écrit ton nom sur des ailes de pied. Liberté, égalité, Mbappé. Est-ce qu'il y a des précédents dans la ville de Bondy, en France, d'un phénomène pareil, aussi jeune, aussi attachant, qui donc devient un modèle au-delà des stades. Mbappé, il y en a même des t-shirts. Ah, dis-donc, vous êtes venu avec une robe. Bah, bien sûr. Il y en a un qui a marqué les esprits au tout début pour sa génération et qui, en plus, aujourd'hui, fait l'actualité à Monaco. C'est Thierry Henry, qui arrive entraîneur à Monaco et qui, à cette époque-là, est dans l'équipe des champions du monde. Mais il n'a pas l'aura et il n'a pas, on va dire, l'occasion de s'exprimer autant comme c'est le faire aussi bien Mbappé aujourd'hui. Quoi. Sans être un spécialiste, est-ce que ce qui arrive à Mbappé n'est pas aussi lié à Pelé? C'est-à-dire, on a d'une part l'impression que depuis Pelé, il n'y a pas eu un joueur aussitôt aussi bon. Et Pelé, et Pelé l'a adoubé. Et Pelé lui-même l'a adoubé. Le grand joueur du monde. Est-ce que ça n'explique pas aussi la mise en orbite d'Mbappé? Oui, après, le problème, c'est que Pelé, pour des générations d'aujourd'hui, ça ne parle pas beaucoup. Pour Vous ne pensez pas que ça s'est transmis? Avec l'histoire de Twitter, Pelé, avec les échanges sur les réseaux sociaux. Mais... J'en ai déjà entendu parler, oui. Vous voyez, même elle connaît. Non, mais vous allez devoir rebaptiser une ville au moins au nom de Kylian Mbappé, ou c'est trop tôt? Il y a déjà le City Stade, que les gamins de Bondy ont déjà rebaptisé City Stade, notre Foot 5, là. Ont déjà rebaptisé Stade Mbappé. Donc, de toute façon, nous, on suit maintenant. Il n'y a pas de souci. Enfin, pour liberté, égalité, Mbappé, à la fois, ça me plaît, mais à la fois, j'ai quand même envie que les Français se réconcilient autour de leur banlieue. Donc, faire porter sur les épaules de ce jeune de 19 ans toute la fraternité que le pays devrait avoir, et notamment une certaine tendresse pour sa banlieue, qui ne cesse de lui donner quand même de beaux talents, c'est faire porter quand même... c'est assez lourd ce qu'on lui fait porter à ce gamin. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse un peu souffler. Monde, qui signait aussi pour rajouter un peu à cette pression. Oui, mais justement, je trouvais qu'il y avait un contraste énorme, en fait, entre cette fête qu'il y a autour d'Mbappé, qui est tout à fait légitime, et on comprend aussi votre admiration pour ce jeune homme, et puis le fait que vous battiez tous les jours au quotidien pour votre ville, en termes d'image, en termes de moyens aussi, parce qu'on sait que les villes de banlieue ont des problèmes de dotation. Bien aussi. Sûr. On voyait Kylian Mbappé défendre... C'est terrible. Le 13 novembre, il reçoit la Légion d'honneur avec les autres champions du monde. D'accord, très bien. Parlez-lui. Mais ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, son papa est très au courant. Nom d'un chien, moi je veux bien qu'il soit reçu à l'Élysée, mais qu'on soit également bien traité en banlieue. Et ce n'est pas le cas actuellement. On se bat comme des chiens pour avoir juste de quoi faire de l'émancipation et de l'éducation populaire. J'ai 40% de moins de 30 ans dans ma ville. Son nom ne vous aide pas quand vous allez défendre des dossiers comme celui-là? On sent que petit à petit, la ville de Bondy, la ville de Mbappé, nous à Bondy, on ne dit pas Mbappé, on dit Kylian. Pour nous, c'est Kylian, mais évidemment que ça aide. Et d'ailleurs, le PSG m'a promis un soutien. Et alors, il a aussi, évidemment, une courte carrière, mais incroyable. 19 ans et une foule de records. Premier joueur de moins de 20 ans à marquer plus de 30 buts en Ligue 1. À 18 ans, 11 mois et 15 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer 10 buts en Ligue des Champions. Il a été aussi sélectionné au Ballon d'Or. 19 ans, 6 mois et 26 jours, c'est très précis. Il devient le plus jeune buteur français en finale d'une Coupe du Monde. Ça, on s'en souvient tous, c'était le 15 juillet. Le plus jeune français à avoir joué un mondial contre l'Australie, avoir marqué contre le Pérou et peut-être cet exploit son 10e but de l'équipe de France en décembre contre l'Islande avec la 26e sélection. On l'avait vu pendant la Coupe du Monde, mais si vous deviez nous expliquer pourquoi il est hors norme sur le terrain. Parce qu'il est imprévisible, tout simplement. Parce qu'il est imprévisible. On parle de sa vitesse, on parle de ses qualités d'accélération, mais c'est quelqu'un qui sait aussi se servir du ballon. On a vu qu'il n'était pas qu'extraterrestre, qu'il était humain, puisqu'il manque des occasions. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, il en manque 3-4 avant de mettre son quadruplé contre quand même celui qui, on va dire, l'équipe qui est la plus capable d'être au plus près de ce Paris Saint-Germain-là.
ils prennent une raquette, quoi, c'était Lyon. Ouais. Donc ça veut dire quelque part que il est capable de tout faire, mais comme était capable de faire un Platini ou un Zidane différemment, parce que ce n'était pas le même poste, mais avec ces joueurs-là, de notre temps, d'une autre époque, ils sont capables à tout moment, dans un match, de faire la différence. Quoi. Et pour nous, commentateurs, pour nous, journalistes, observateurs, c'est juste du régal. Quoi. C'est un régal complet de se dire, dès qu'il touche le ballon, il peut se passer quelque chose. Préparons-nous, il va se passer quelque chose. Quoi. C'est un régal aussi pour son ancien club, l'AS Monaco. Il a été champion de France avec lui, vous l'avez rappelé. Et puis surtout, il a rapporté un chèque absolument colossal à ce club. 180 millions d'euros, c'était en août 2017, le plus gros transfert jamais réalisé pour un joueur français. Et ce, seulement après une petite saison en Ligue 1, saison éblouissante donc à l'AS Monaco, 180 millions, c'est une somme dont on pouvait se dire qu'il allait totalement perdre la tête. C'est pas du tout en fait, hein. C'est ce qu'il disait lors de la conférence de presse de présentation au Paris Saint-Germain en 2017. C'est pas moi qui gère tout ça, c'est pas mon métier, donc c'est pas quelque chose qui me regarde. Donc moi, le prix, c'est, pour moi, c'est assez anecdotique. Donc ça va pas changer ni ma manière de vivre, de penser et encore moins de jouer. Parce que l'argent, il va ni dans ma poche, ni il est sorti de ma poche. Donc c'est pas quelque chose qui va vraiment me tracasser. Je vais sur le terrain et au contraire, je pense que jouer avec des joueurs comme ça, ça va vraiment me libérer et je prendrai encore plus de plaisir. Humilité, elle est incroyable. Le dire, c'est une chose. Le faire en est une autre. Jean Rességuier, vous qui côtoyez des footballeurs depuis des années, vous en avez vu aussi des footballeurs transférés pour des sommes considérables. Est-ce qu'ils ont réagi comme le fait Kylian Mbappé ? Alors, j'ai pas vu toutes les conférences de presse de tous les gros transferts de l'histoire du football international, mais dans le football français, oui, c'est vrai que c'est rare d'entendre quelqu'un s'exprimer de la sorte et qui plus est moins de 20 ans, quoi, et qui est résisté ensuite et qui est tranquillement installé là au pupitre de l'auditorium du Parc des Princes et qui derrière enchaîne les performances. C'est ça. Parce que dans le milieu du football, des météorites, on en a vu, hein, des garçons qui ont fait, on va dire, 6 mois, une saison, et qui derrière n'ont plus fait grand-chose. Que nous, professionnels, journalistes, on a eu l'occasion de monter au pinacle un peu trop rapidement. Et puis derrière... Là, c'est pas le cas. Là, lui, il est en train de montrer tout simplement qu'il a vraiment du talent et qu'il est hors norme. Il est hors catégorie, comme l'a expliqué récemment encore Didier Deschamps. Quand il le... privilégie le fait qu'il a une petite douleur, qu'il n'est pas titulaire contre l'Islande et qu'il le fait rentrer et qu'à ce moment-là, la France est menée 2-0. Il y a une prise de risque. Oui. Elle est calculée, mais elle existe. S'il y a blessure, s'il y va un petit peu trop et s'il se dit « j'ai l'occasion d'aller sauver la patrie » en quelque sorte. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Et il a failli, permettez-moi l'expression, se faire découper par un défenseur islandais et on n'était pas très loin de la blessure grave. Parce que là, il faut croiser les doigts pour le Ballon d'Or, d'accord ? Il faut croiser les doigts pour son club, pour le PSG, pour l'équipe de France. Il traverse les saisons sans se blesser comme ça. Ça lui arrivera certainement, mais il faut qu'il arrive à résister à ça. Quoi. Alors, on l'a vu, Kylian Mbappé, il est très structuré, ses parents sont très investi dans le club de foot de Bondy. Il y a un talent qu'on ne lui connaissait pas. Il a fait le conservatoire. Et alors, on a trouvé une petite perle. On ne savait pas que Kylian Mbappé jouait de la flûte traversière. Mais non. Oui, absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être vous savez, ou est-ce qu'il est doué ? Est-ce qu'il a déjà fait des concerts D'ailleurs, ce qui s'est passé avant-hier et qui a été préparé avec ses parents, c'était aussi ne pas tourner seulement autour du football. C'est pour ça qu'il y a eu des musiciens sur une scène. Une fanfare, voilà. les enfants de la Marseillaise. Ils tiennent énormément à l'émancipation. Hein. C'est devenu l'ADN de Bondy, l'éducation populaire, l'émancipation des gamins. Et donc, lui, il a en effet été au conservatoire de Bondy. Il a appris le solfège, il était même en formation musicale avec ma dernière fille, Jeanne, et je me rappelle que des fois j'allais la chercher, elle me disait « J'adore Kylian, c'est un bon copain, mais il parle tout le temps du foot alors que quand même on est en musique là !» Mais il a donc appris donc, la formation musicale, c'est pas toujours très drôle pour les gamins, et la flûte traversière, piccolo puis flûte traversière. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a offert, on le voit à l'écran là. Alors justement, la place de ses parents, elle est très importante, on sait que son père a des interventions très rares mais pertinentes, et ils sont très attentifs. C'était important pour eux qu'ils réussissent à l'école ? Oui, c'était très important. Je suis désolée, mais autre anecdote familiale, il se trouve que mon mari a été le directeur d'école, Kylian Mbappé. C'était un gamin brillant. D'ailleurs, il l'avait fait tester, il a été testé comme surdoué par les psychologues de l'éducation nationale. Mais l'école ne l'intéressait pas plus que ça, peut-être tout simplement parce qu'il s'y ennuyait. Il va très vite sur le terrain, mais il allait également très vite à l'école. Il comprenait tout très très vite, et après il s'ennuyait. Je pense que c'était un gamin qu'il fallait donner à manger. Et donc, quand il s'ennuyait, il était un peu remuant, un peu chambreur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Faïza venait tous les soirs rencontrer l'équipe éducative. Ça s'est bien passé, très bien, elle partait. Ouais, il y a un problème, boum, elle reprenait. Et les parents de Kylian continuent à s'occuper de sa carrière. La galaxie Kylian Mbappé, elle est très réduite. Ouais. Elle est familiale, d'abord. Il y a le papa, il y a la maman. Il n'y a pas d'agent sportif. Il y a l'oncle. Il y a une avocate, il y a l'oncle.
Il y a le petit frère aussi, Etam, qui n'est jamais très loin. Ouais. Quand il se passe quelque chose, il est toujours à côté de lui. Mmh. Et il y a une gestion vraiment familiale de son avenir, de sa carrière, de ses contrats, au-delà des droits d'image. Justement, parce qu'on a vu que Bondy restait et resterait sa ville de cœur. Est-ce que Paris, en revanche, ça restera, d'après vous, la ville où il fera toute sa carrière? J'ai du mal à le croire. Non, très honnêtement. Ouais, j'ai du mal très honnêtement. Oui. Je pense qu'il va être obligé, à un moment donné, de franchir les frontières de notre pays, comme ont su le faire d'autres stars du football français. Qu'il puisse rester encore une saison avec le Paris Saint-Germain, pourquoi pas, même si... Ah, pas plus. On est sur une saison impair, comme on dit. Il n'y a pas de compétition internationale, à part si la France se qualifie pour la finale à 4 de la nouvelle Ligue des Nations. Mais on a le sentiment qu'il peut se passer quelque chose. On se rappelle que Monaco a essayé de le vendre au Real Madrid et que finalement, il a décidé, lui et sa famille, d'aller au Paris Saint-Germain. Il peut continuer encore, mais je pense que s'il veut progresser, s'il veut aller chercher d'autres trophées, il faudra qu'il aille certainement dans d'autres championnats européens. Alors, bon, donc, dire lequel, je ne sais pas. C'est faisable, c'est dans le domaine du possible. Après, quelle sera l'attitude des dirigeants qataris jusqu'à 2022, où ils auront accompli ce qu'ils étaient venus faire ici, c'est-à-dire investir dans le football français et montrer que cette Coupe du Monde qui va avoir lieu chez eux sera quelque chose de réussi. Une fois que tout ceci sera passé, c'est le grand point d'interrogation à la fois pour Kylian Mbappé, mais aussi pour le Paris Saint-Germain et donc pour les supporters parisiens. Et c'est que le début d'une histoire. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus.